Je suis déguisée pour Halloween et je m'ai fichu la trouille à personne. Moi j'adore le baseball. C'est mon destin de pratiquer ce sport. Ça m'est égal de perdre ou de gagner. Sauf que là, aujourd'hui, je veux gagner. Parce qu'on a perdu tous nos derniers matchs et ça commence à me fatiguer. Je me bats comme un lion, faut pas croire. Même que les autres me lancent toutes les balles. Et moi je fais mon mieux pour les rattraper. Sauf que les gars de mon équipe, ils sont jamais concentrés sur le terrain. Et ça m'énerve. Le baseball, c'est le baseball. On joue pas à la baballe, c'est vrai quoi. Ils sont là, les Whis. Les Whis. J'ai terminé, regarde. Waouh, ils vont adorer. Pour gagner une adoption, rien ne vaut une bizarroïde d'invention. Lewis, les Harrington viennent d'arriver. Je sais, mais attends. Souviens-toi. Tiens-toi droit, regarde-les dans les yeux. Un beau sourire. Oh, je vais arranger un... Oh, Mildred. D'accord. Montre-leur que tu es unique au monde. Oh, j'espère que ça ira. J'espère qu'ils vont l'adopter. Je vous le fais pas dire, chef. Non, parce qu'il y a tellement de choses dans ce monde qu'on peut améliorer. C'est vrai, quand on y réfléchit, trottoir roulant, voiture volante, les possibilités sont illimitées. Les voitures volantes, ah, c'est une idée, ça. Oui, avec de l'imagination et quelques notions de science, on peut faire de ce monde un monde meilleur. En effet, ce sont là des idées fort intéressantes. Alors, quel est ton sport préféré? Ben, si on dit qu'inventer est aussi un sport... En fait... Je crois que là, je bats tous les records. Qu'est-ce que c'est? Avant tout, une question. Quelle est la difficulté majeure que vous rencontrez quand vous faites un sandwich au beurre de cacahuète et à la confiture? Lewis, je suis pas sûr. Le bon dosage. Trop de beurre de cacahuète, ça colle au feu. On mâche pendant des heures. Trop de confiture, ça dégouline de partout, on a les mains toutes poisseuses. Berk. Ce que moi je propose, c'est la méthode parfaite, la solution idéale, accessible à tout le monde, et j'ai inventé l'appareil pour l'appliquer. Pour cette démonstration, j'utiliserai du pain de mie ordinaire. Chérie, ça va aller. Que vous pouvez également griller selon votre goût. Nous ne mangeons jamais de beurre de cacahuète. Et Lewis, ça n'est pas nécessaire. Oh, ça c'est bloqué. S'il te plaît, non. Mais qu'est-ce qui se passe? Monsieur Harrington est allergique au beurre de cacahuète. Ah, pardon. Attendez, je vais vous débarbouiller. Aïe. Il va s'en sortir. Respire. Mais moi, je ne pouvais pas savoir. Et Lewis, ce fut un réel plaisir. Nous allons avoir besoin d'un petit peu de temps pour y réfléchir. Madame, monsieur, est-ce que tout... Que s'est-il passé? Mademoiselle, cet enfant ne nous convient absolument pas. Maintenant, si vous permettez... Je suis terriblement navrée. Peut-être qu'on... Tu veux grignoter quelque chose? J'ai pas faim. Pauvre monsieur Harrington. Il est mort? Non. Il n'est pas mort. Je viens de téléphoner, il se porte comme un charme. Oh. Tout ce que je voulais dire, c'est que... C'est dommage qu'il n'ait pas goûté un sandwich fait avec ta merveilleuse et géniale invention. Génial, où tu parles? Tu n'y es pour rien. C'est nous qui n'avons pas encore trouvé la famille idéale. 124 à ce jour. Quoi? C'est le nombre d'entretiens d'adoption que j'ai passé. 124! Oh, Lewis, arrête, mon grand. Tu exagères parce que tu veux toujours avoir... raison. Sans compter que j'aurai 13 ans l'année prochaine. Et tu sais très bien à quel point c'est difficile pour un ado d'être adopté. Il est clair que je n'ai aucun avenir.
personne ne veut de moi. Ça, c'est faux, Lewis. Ma propre mère n'a pas voulu de moi. Ça suffit, tu ne peux pas dire ça, tu ne peux pas savoir. Alors pourquoi elle m'a abandonnée? Peut-être qu'elle ne pouvait pas t'élever comme elle l'aurait voulu, tu y as pensé? Je suis sûre que ta maman t'aimait beaucoup, qu'elle ne voulait que ton bonheur. J'avais jamais vu les choses comme ça. Peut-être qu'elle voulait te garder, mais qu'elle n'a pas eu le choix. Mais oui, tu as raison. Mais oui, ma maman est la seule personne au monde qui a toujours voulu de moi. Attends, j'ai dit peut-être. Si elle voulait de moi avant, elle veut encore de moi aujourd'hui. Mais enfin, où tu veux en venir? Je dois la retrouver, Mildred. Et une fois que je l'aurai retrouvée, elle me reprendra et nous formerons à nouveau une famille. Oh là 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 là, oh. Écoute, Lewis, tu ne peux pas la retrouver. On ne sait rien d'elle. Personne ne l'a jamais vue. Moi si. Je l'ai déjà vue. Une fois. Elle est gravée là-dedans. Il suffit simplement que je m'en souvienne. J'ai trouvé. Hello, je veux te dire un secret. Je sais, c'est fou. Viens donc voir ce que je fais. Donne-moi une dernière chance, car je pense que je peux faire de toi l'ami qui me croit. Oui, aujourd'hui à 14h. Oh, il sera fou de joie de vous rencontrer. À tout à l'heure. Yes! Ah, oh, Goob, pardon, Michael, bonne chance pour ton match. Oh, ça va être fastoche, les gars d'en face, c'est des minables. L'essentiel, c'est de rester éveillé. Non, ne le dis pas, laisse-moi deviner. Il a passé la nuit à travailler sur son stupide projet. Oh, voilà ce que c'est quand on a intérêt des sciences en guise de camarade de chambre. Ah, un bon petit café. Dis-moi, Einstein, tu dois à Michael une fière chandelle. Bah, pénétrer les secrets du cerveau, ça m'a pris plus de temps que prévu. Mais c'est fini, Mildred. J'ai recalibré le casque d'écoute et maintenant le réseau neuronal va se connecter. J'ai percé l'hippocampe. Vraiment? Très bien. Et quoi? Et maintenant, voyons si ça fonctionne. Oh non, je suis en retard. Il faut que je file. Du calme, Lewis, pas si vite. Oh, j'ai failli oublier. Je sais que tu as du pain sur la planche, mais j'ai organisé un nouvel entretien pour toi cet après-midi. Non, merci. Non, merci. Mon grand, je tiens à te rappeler qu'il s'agit de ton adoption et tu reviendras débarbouillé, souriant et à l'heure. J'en ai plein d'autres, ces entretiens, Mildred. Je veux plus jamais être jetée. Plus jamais. Lewis, je sais ce que tu as en tête. Mais écoute, il faut que tu arrêtes de vivre dans le passé et que tu te tournes vers l'avenir. Oui, c'est ce que je fais, regarde. Il est là, mon avenir. Oh, j'y peux rien. Lewis, mon ange. Docteur Krankelhorn, je sais que chez un ventre cool, les labos vous prennent tout votre temps. Merci encore d'avoir accepté de présider son cours. C'est un plaisir, monsieur Willerstein. Et sait-on jamais, un de vos élèves pourrait inventer un nouveau circuit intégré, ou microprocesseur, ou circuit intégré, ou... Ça, ça, je l'ai déjà dit, vous savez, je ne sors pas assez de ce laboratoire. Nœuds papillons, n'est-ce pas? J'adore les nœuds papillons. Je n'ai pas dormi depuis 8 jours. Ça fait ripopette. Je vous fais monter un lit de camp, si vous le désirez. Non, j'ai tous mes petits patchs de caféine. C'est mon invention. Chaque patch équivaut à 12 tasses de café serré. Ça vous tient éveillé des jours entiers sans aucun effet secondaire. Ah, désolé, qui est-ce? C'est un des élèves de notre classe, Stanley Bukowski. Oh, ce qu'il est mignon, je pourrais lui manger ses petites jus toutes potelées. Mais qu'est-ce que c'est que cette robe, Bukowski? En réalité, c'est une toche, monsieur. Coach, je suis ravi de vous voir. Enfin, si on veut. Qu'est-ce que vous faites là? J'arbitre le concours de science, qu'est-ce que j'ai l'air de faire? Et quelles sont vos qualifications pour arbitrer un concours de science? C'est mon gymnase. Stanley, le volcan, c'est quand tu veux. Ouvrez les yeux et contemplez la toute-puissance du mont Vésuve. L'interrupteur n'a pas interrupté. Je recommence. Docteur Krankelhorn. Marianne Cobalt Einstein Soda. Je comprends rien à ce qu'elle dit, la dame. Mais ce projet-là est inacceptable. Fais-moi 20 tours de gymnase. Allez, hop, 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 hop. Toi, je t'ai. Parfait, candidat suivant, Lizzie et son... sa fourmilière de fourmis rouges. Tout à fait. Lizzie, nous avons déjà parlé des fourmis rouges. Tu sais qu'elles ont la fâcheuse tendance à mordre les gens. Seulement mes ennemis. Poursuivons. Magnifique, Lizzie. Ne l'énervons pas. Ça pourrait... Enfin, ça pourrait l'énerver. Mmh.
peut-être n'est pas sûr. Viens là. As-tu été abordé par un monsieur coiffé d'un chapeau melon? Quoi? Oh là là, ici c'est moi qui pose des questions. Non, sans blague. Attends, je voulais pas faire valoir mon grade, mais tu me laisses pas le choix. Agent spécial, Wilbur Robinson, de l'ABIT. D'accord. Brigade d'intervention temporelle, chargée d'assurer ta protection. Pourquoi je répète, un grand monsieur chapeau melon. Non, pourquoi? En te le disant, je pourrais perdre mon insigne. Il est suspecté d'un vol de machine. De machine? À remonter le temps. À quoi? Je l'ai traqué jusqu'à ton époque et d'après mes indices, c'est toi qu'il veut. Moi? Pourquoi moi? Mes collègues au QG planchent encore sur le mobile et par QG, j'entends quartier général. Je sais ce que ça veut dire, merci. Bon, t'as l'air futé. Voilà qui pourrait te sauver la vie. Pour l'instant, occupe-toi de ta trouvaille et laisse-moi appréhender l'individu. Et par appréhender, je veux dire... Je sais ce que ça veut dire, merci. D'accord, monsieur le puits de science. L'homme au chapeau melon. L'élève, candidat au concours des inventeurs. T'es fou? T'as failli m'exploser mon système solaire. Mes grenouilles se Kikineuse, j'ai pas de temps à perdre avec ça. J'ai une mission importante à mener. Toi, tu me parles sur un autre ton. Je suis karatéka. Allez, Putoski, il faut s'ouvrir pour être fort. Oh, le candidat suivant est Lewis. Oui, Lewis. Excusez-moi. Lewis, dis-moi que cet engin ne fera pas. Tout ira bien, ça va fonctionner, croyez-moi. Je ne vais pas vous décevoir, je vous le promets. D'accord, Lewis. Alors, tu nous les clous sur place. C'est une façon de parler. T'es gentil, tu ne tues personne. Je compte sur toi. Parfait. Si vous voulez bien vous donner la peine de reculer, l'invention suivante va vous secouer. Non, sérieusement, vous devriez vous reculer un tout petit peu. Il vous est déjà arrivé d'oublier une chose et vous avez beau vous creuser la tête, vous ne parvenez pas à vous en souvenir. Mais alors, que sont devenus tous ces souvenirs perdus? Je suppose comme hypothèse qu'ils sont stockés quelque part dans votre cerveau. J'ai donc inventé une machine capable de les retrouver. J'ai nommé le scanner de mémoire. Ouh, ça claque! Voyons, Lewis, comment fonctionne ce scanner de mémoire? Avant tout, on entre la date de la période souhaitée sur ce clavier. Ensuite, un rayon laser scanne le cortex cérébral, le souvenir est stocké. Une fois retrouvé, il s'affiche sur ce moniteur. Emballez-moi ça, j'en prends deux. Maintenant, je reviens en arrière de 12 ans, 3 mois et une semaine. Pourquoi précisément ce jour-là? Vous pensiez que je suivais pas, hein, c'est ça? En fait, ce jour-là, c'était... Disons que c'était un jour particulier dans ma vie. Accordé, deuxième mi-temps. Ça prend une petite seconde pour mettre les turbines en route. Thank you.
mets. En plus, tu fais très mal le pigeon. Tu vas me griller ma couverture. Il y a que nous ici. Ça, c'est justement ce qu'ils veulent te faire croire. Écoute, arrête de te morfondre. Prends ça, retourne au concours de science et répare les scanners. Mais arrête, mais, oh, mais lâche-moi. T'oublies un truc, je suis un policier du futur. Tu devrais me prendre au sérieux. C'est donc ça ton insigne? Un coupon de réduction pour une séance UV? Imposteur. J'avoue, tu m'as grillé, je suis pas la police. Mais je viens réellement du futur. Et il y a réellement un homme au haut chapeau melon. Ça y est, mais ça... Il a volé une machine à remonter temps pour venir au concours et saboter ton projet. Mon projet a foiré parce que je suis un gros nul. Il n'y a pas d'homme au chapeau melon, pas de machine à remonter le temps et tu ne viens pas du futur. T'es un psychopathe. Oh, oh, je suis pas un psychopathe. Ah non, capitaine de nulle part. Eh ben, prouve-le. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Je vais me barricader dans ma chambre et me terrer sous ma couette pendant 2 ou 3 ans. Et si je te prouve que je viens bien du futur, tu me promets de retourner au concours de science? Oui, bien sûr, tout ce que tu voudras. Hé, hey, mais lâche-moi! Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi! D'accord. Ah, c'est quoi ça? On va où là? Dans le futur. Ça va aller? Ça va aller, tu rigoles! J'aurais jamais imaginé que voyager dans le temps serait possible! Mais c'est juste là! Regarde, c'est là devant mes yeux! La vérité te libérera, frère! Et elle dépasse de loin tout ce que je pouvais imaginer! Ça veut dire que je pourrais aussi totalement changer ma vie! Exact! Tu le pourras! Car notre prochain arrêt, c'est le concours pour réparer ton scanner! Attends, je vais pas le réparer, ce stupide scanner de mémoire! Quoi? On est dans une machine à remonter le temps! Pourquoi réparer mon invention débile alors que tu peux m'emmener voir ma mère maintenant dans ce vaisseau de folie? Oh! Oh! Tu pourrais revenir à cette nuit-là? Convaincre ma mère de ne pas m'abandonner. La solution, c'est pas la machine à remonter le temps. C'est ça. Ça? Tu veux savoir ce que je pense de ça? Mais ça va pas, qu'est-ce que tu fais? Je suis désolée, mais tu peux pas comprendre. Tu sais pas par où je suis passée. Lewis, non! Laisse-moi! Lâche ça! C'est moi, arrête, c'est moi qui commande! Si, c'est moi qui commande! Parce que t'as 12 ans et moi j'en ai 13! C'est moi l'aîné! Mais moi, je suis née dans le passé! C'est moi le plus vieux et c'est moi qui commande! Alors là, je suis au bout du rouleau. Cette machine, j'avais même pas le droit de la regarder, encore moins de la piloter. Mon père et ma mère vont juste me tuer. Et tout ce que je peux te dire, c'est qu'ils n'auront aucune pitié. Il y aurait pas un réparateur de machines à remonter le temps par ici? Non, parce qu'il n'en existe que 2 dans le monde, dont une a été volée par l'homme au chapeau melon. Ah ouais, bah faudra bien trouver quelqu'un pour le faire. Excellente idée. C'est toi le petit génie, tu la répares. T'es dingue ou quoi? Je suis incapable de réparer ça. C'est ton problème. Tu la bousillée, tu la répares. D'accord, je veux bien essayer, mais à une condition. Si je réussis, tu me ramènes dans le passé pour voir ma mère. Quoi? T'as même pas été réglo la dernière fois. Comment veux-tu que je te fasse confiance? Wow, tu m'as fait croire que t'étais un policier du futur et tu voudrais que je te fasse confiance? Bien envoyé. Alors, marché conclu? Bonjour madame, je suis ici pour changer l'avenir. Oui monsieur. Je dois parler aux responsables de ces lieux dans les plus brefs délais. Oui monsieur. J'ai rendez-vous de toute urgence avec le destin. Très bien monsieur, je t'ai livré votre blanchisserie directement dans votre suite. Plaît-il? Bien, à quelle heure est votre rendez-vous? Vous me parlez à moi-même en personne? Oui, vous aviez rendez-vous à quelle heure? La grande aiguille est sur le... Oh, 14h! Vous êtes le rendez-vous de 14h? Oui, oui tout à fait. Vous êtes Mary Johnson? Oui, Marie, qui est le diminutif de... Marion? Ça marche aussi pour les garçons. Oh, certes. Dans ce cas-là, oui. Veuillez vous asseoir. Youpi, tralala. Hmm.
M'attribuer l'invention d'un autre. Oh, je coche. Oh, cocher, c'est ce que je préfère. Monsieur, la commission va vous recevoir. Oui, mais que vais-je leur dire? Jamais je ne me souviendrai de ça. À moins que tu y ailles à ma place, tu es tellement plus brillante que moi. C'est très juste, en effet. Un chapeau sans tête aura beaucoup de mal à s'attribuer l'invention d'un autre. Fantastique! C'est une idée géniale! Je suis si heureux de t'avoir pour complice. Préparez-vous à l'incroyable. Oh, j'ai compris. Préparez-vous à l'incroyable. Ceci est mon invention. Oui, je vous présente l'invention la plus géniale de sa génération. Nous allons voir Mademoiselle Johnson. C'est madame. Vous disposez de 2 minutes. Veuillez commencer. Mesdames et messieurs, voilà. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de ce que j'appellerais... de ce que j'appellerais mon... Mais qu'est-ce que vous regardez? Non! Je regarde le soleil qui m'aveugle! Il suffit simplement de baisser l'espoir. Attendez! C'est pas vrai! Le nom de votre invention? Nous chipoterons plus tard sur les noms. L'important, c'est ma découverte qui est unique au monde. Oui, vous allez l'aimer, l'acheter, la produire en masse. Car le petit plus, c'est que l'appareil est pourvu d'un casque d'écoute ergonomique. Auriez-vous l'extrême amabilité de vous pencher un petit peu en avant? Voilà, merci beaucoup. Oui, c'est exact. C'est d'un confort absolu. Mais qu'espérez-vous accomplir avec ceci? Je vous écoute. Aïe. Oh, rien de très important. Je souhaite simplement... Buter sauvagement les rêves d'un pauvre petit orphelin. Pour le reste, c'est... ça reste un peu flou. Vous voulez dire que vous n'y avez pas réfléchi sérieusement? 30 secondes. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Tout d'abord, j'allume mon appareil. C'est... Ah bon, c'est pas grave. 10 secondes. Alors, où dois-je signer? Derrière tout... Doris, tout est fini. Nos espoirs, nos rêves pulvérisés comme autant de pièces d'une machine mécanique brisée. Tu as raison. C'est vrai, le succès est encore à portée de main. Trouvez une garçon. On va la rentrer en douce dans le garage. T'auras tous les outils que tu voudras. Et tes parents dans tout ça? Maman n'y entre jamais et papa est en voyage d'affaires jusqu'à demain matin. T'auras tout le temps qu'il faudra. D'accord, mais je vais avoir besoin des plans, des schémas, tout ça. Non, t'inquiète, j'ai quelqu'un qui va pouvoir t'aider. Troubler la paix de mon sanctuaire. Carl, c'est moi. Laisse-moi entrer. Nul d'entre ici sans prononcer le royal mot de passe. Qu'est-ce que tu racontes? Y'a jamais eu de mot de passe pour la maison. Maintenant, si, j'en ai créé un pendant ton absence. Alors dis-moi comment je suis censé le connaître. Tu... Bon, d'accord. Content de te revoir, mon petit père. Alors, quoi de neuf à propos de la machine? Tu l'as retrouvée? Apparemment pas. Et tu t'es débrouillé pour bousiller celle-là aussi? Elle sera réparée avant le retour de papa. Et peut-on savoir comment tu comptes t'y prendre pour... C'est qui ça? Wow, un vrai robot! Salut, moi c'est Lewis! Je m'attendais pas... Je m'attendais pas à ça. Si dans ma famille ils découvrent que je t'ai ramené du passé, ils m'enterreront vivant et ils danseront sur ma tombe. J'exagère pas. Si, peut-être un peu. Enfin, c'est pas le problème. Le problème, c'est que ta coupe de cheveux te trahirait. Pourquoi est-ce que ma coupe de cheveux me trahirait? C'est une excellente question. Mais attends, tu vas où comme ça? Encore une excellente question. Je vais pas rester ici tout seul. Si. Mais... Sur la sonnette. Non, sur la mienne. Trolin, c'est la bonne sonnette, sonne. Oui. C'est le fait du hasard. Il l'a pas fait exprès, ça compte pas, c'est dans le manuel, vérifie. Tête plate, racine courte, légumes verts. Comment ça, ne rien dire à la famille? Comment peut-on ne rien dire à la famille en ces temps de méga crise fédérale? Tu as oublié de verrouiller la porte du garage? Résultat, on a volé la machine à remonter le temps. Et à présent, la chaîne spatio-temporelle peut en être altérée. Sans compter qu'on a aussi piqué ma bécane. Écoute, Carl, écoute, je te garantis que tout rentrera dans l'ordre.
Primo, on planque Lewis dans le garage, ni vu ni connu. Deuxio, je lui dis qu'il est le plus grand génie de tous les temps. Tertio, il répare la machine. Pourquoi c'est un gland? J'ai pas vraiment eu le temps de fignoler. Très bien. Une fois la machine réparée, il reprend confiance dans son potentiel inventif, il retourne au concours, répare le scanner de mémoire et rétablit continuum spatio-temporel. Et pour ce qui est de le ramener voir sa mère? Je lui ai promis ça juste pour gagner du temps. Ouais, et ben je voudrais pas être là quand ça va te péter à la figure. Et confiance, tout est sous contrôle. Wilbur, Robinson échoue jamais. Mais dans la micro-hypothèse que j'échoue. La micro-hypothèse, ouais, c'est ça. Attends, j'en fais calcul. Quoi? Bah vas-y. Eh bien, c'était pas... Enfin, disons que ça n'a sans doute aucun rapport. Je veux dire que... Il n'y a aucune certitude, mais il y a 99,99999999% de chances que tu n'existes jamais. C'est quoi ce délire? Je voulais pas te le dire, Wilbur. Mais je l'ai dit. Que je n'existe jamais? Et moi dans tout ça? Moi, je resterai tout seul à rouiller dans un coin. Ouais, j'ai aucune raison de m'inquiéter. Allez, les plans. Si jamais tout est bien qui finit bien, je compte mettre une sacrée distance entre toi et moi et prendre de longues vacances. Qu'est-ce que c'est? Bonjour, comment ça va, petit gars? Oui, je sais ce que tu penses. Eh bien non, ce ne sont pas mes habits qui sont à l'envers, c'est ma tête. Celle-là, je la faisais à mes classes de sciences. Il riait pas non plus. Et comment tu t'appelles, banane? Lewis, mais... Lewis? Dis-moi, Lewis, tu n'aurais pas vu passer mes dents par hasard? Vos dents? Mon gratier! Je creuse depuis l'aube et je les trouve pas, non, je les trouve pas. Écoutez, grand-père, je dois retourner au garage. Wilbur m'a laissé seul, j'aurais pas dû en sortir et ce monstre m'a monstre? Il n'y a pas de monstre sur notre perron, alors. Écoutez-moi! Je pensais pas non plus qu'une marmotte logeait sur mon bras. Et pourtant, j'espère qu'elle n'a pas la rage. Grand-père, je dois retourner au garage! Mais oui, je vais t'y amener à fond les manettes. Je connais la raccourci. Bienvenue dans le garage! Je suis complètement égaré, moi. Ça roule, grand-père? Ah, attends, Billy. Lewis et moi cherchons notre garage. Nous avons un garage? Il semblerait que oui. Lewis, peux-tu chronométrer ma course contre la montre? À nous deux, Gaston. Mon petit train-train va entrer en garage. Vous appelez ça un petit train-train? Bon, ben, à vos marques? Ouais. 3,37. J'ai gagné! C'est bon, Lewis. J'ai les plans. Lewis? C'est l'oncle Joe, il fait sa biscuit. Ça, c'est pas le garage. Non plus. Ça m'étonnerait un peu que le garage se trouve là-dedans. Dieu du ciel, la situation est d'une extrême gravité. C'est l'oncle Art. Un vrai super-héros. 44 Galaxy Alpha Omega, une grande saucisse fromage pas de fil. Livraison dans 30 minutes, où la pizza est offerte. Livreur de pizza. Lewis? Que fait-on par ici? On cherche le garage. Ah oui. Détends-toi, petite sœur. Laisse-le, je ne répéterai pas. Les enfants, s'il vous plaît, votre mère voudrait faire une petite sieste. C'est quoi encore? Tous ces hurlements? C'est lui qui a commencé. Je ne peux plus vous entendre. Écoute, ma douce. Il n'y a pas de ma douce qui tienne. Puisque c'est comme ça, je vais faire une balade. Comme c'est étrange, d'ordinaire, elle prend l'arbre. Eh oui. Je crois que ma femme Lucille nous prépare des brioches. On croit ces brioches, Lucille. Pourquoi votre chien, elle prend des lunettes? Non, parce que sa mutuelle rembourse pour les lentilles. Lui, c'est l'oncle Spike. Et lui, l'oncle Dimitri. Et lui, c'est... Ah, c'est le monstre. Oh non, Lewis, c'est notre majordome, c'est Lefty. Enchanté de faire votre connaissance. Et dites-moi, mon cher, sauriez-vous où se trouve le garage? Hey, très juste, nous n'y avons pas demandé. À qui? À la maman Wilbur, Annie. À mon avis, elle devrait te plaire. Ça swing, les gars. You ask me over and over and over. Have you seen my peacock-feathered hat? Des grenouilles. Je leur ai appris tout ce qu'elles savent. Fanny, je te présente Lewis. Enchantée, madame. Tu tombes à pic, il faut quelqu'un au Maracas. Where is your heart at? Nobody knows that. Even though you can hurt me and then I'll be searching. I've got a feeling you will be leaving. You are bad at the circus comes to town. Mon père, j'ai retrouvé vos dents. Even though the presentation is all about that. Cornebinouille, mes dents sont à leur place. Ring-a-ding-ding. Oui, j'ai retrouvé les dents, c'est super, mais... Ouh là, vous avez vu l'heure? Lewis, je t'avais dit de rester dans le garage. Je sais, mais le tube m'a aspiré, j'ai croisé ta famille et ensuite... T'as croisé ma famille? Interro surprise, qui as-tu rencontré et que sais-tu d'eux? D'accord, Bud, Fritz et Joe, son frère. Fritz et Maria Petunia, et elle est... Je confirme. Talula et Laszlo sont leurs enfants. Joe et Maria Billy, Lefty et Majordome, Spike et Dimitri sont jumeaux et je sais pas trop à qui ils sont apparentés, ces deux-là. Nous non plus, continue. Lucille et Maria Bud, et ton père, Cornelius, et leur fils. Il ressemble à quoi, Cornelius? Tom Selleck. Je vois. Cornelius et Maria Franny, dont les frères sont Gaston et Art.
Tu n'as rien oublié? Qu'est-ce que j'ai? Oh, je sais! Wilbur est le fils de Franny et de Cornelius. Et personne n'a compris que tu venais du passé? Non, personne. Merci à tous, merci, n'applaudissez pas. Merci beaucoup, merci beaucoup. Oh, Doris, prenez-moi ça, prenez-moi ça. À présent, je te tiens. Lewis! Non. Oh. Lewis, c'est mon copain de chambre débile. Moi, je suis Mike à Goblin, mais on m'appelle Goob. Sauf qu'aujourd'hui, tous ceux qui m'ont tabassé m'ont appelé Goob la gerbe. De main gauche et face de prout. Ça fait plaisir, des jeunes qui ont du vocabulaire. Oui, je ne voulais pas. Enfin, bref, voilà, je cherche Lewis. Essayez-le-toi, c'est là-haut qu'il passe sa vie. Bien sûr! Comment n'y avais-je pas pensé? Ma chère entrecôte, tu es ma seule copine. Le match ne s'est pas bien passé, hein? Non, je me suis endormie à la 9e manche, j'ai loupé l'arrêt décisif. Et là, ils m'ont tabassé. Ensuite, le coach m'a pris à part et m'a dit de laisser courir. Je sais plus, il a sûrement raison. Non! Ils te diront tous de laisser courir, de passer à autre chose. Mais non, la rage, tu dois la ruminer, la laisser bouillir à l'intérieur, la couver. Tu dois refouler ces sentiments de haine, qu'ils alimentent tous tes actes, que la haine devienne ton allié. Et un jour, tu seras capable de grandes et horribles choses. Bois mes paroles, Goob. Ne laisse jamais courir. Qu'est-ce qu'il dit? Mais où est-il ton passé? Oh, oh, quelle idée géniale! On recueille des indices chacun de son côté. Ah, ah, regarde, ma chère, ce que j'ai trouvé! Un petit bâton! Et toi, as-tu trouvé quelqu'un d'indice? Certes, certes. Des traces de voyage dans le temps à côté de l'ADN de Wilbur Robinson. Ça, plus mon petit bout de bois, ça ne peut que signifier... En route vers le futur! À mon tabac! J'ai pas la moindre idée de ce que je fais. Il faut aller de l'avant. C'est une technologie beaucoup trop avancée pour moi. Il faut aller de l'avant. Et si j'arrive pas à la réparer, t'as une solution? Il faut aller de l'avant. Pourquoi tu répètes ça tout le temps? Et je veux pas entendre, il faut aller de l'avant. C'est la devise de mon père. Et pourquoi il a pour devise, il faut aller de l'avant? Parce que c'est ce qu'il fait. Et ça veut dire quoi exactement? Ça, c'est une excellente question. Les industries Robinson, numéro un mondial de la recherche scientifique et conceptuelle. C'est mon père qui dirige l'entreprise qui fabrique ses inventions. Sa devise, aller de l'avant. Et c'est ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il a inventé? Quasiment tout. Car la machine à remonter le temps, les tubes... C'est ton père, l'inventeur de la machine à remonter le temps? Eh ouais, il y a 5 ans, papa se réveille en pleine nuit avec des sueurs froides. Il veut construire cette machine. Alors il se met au travail. Des tonnes de plans, des milliers de maquettes, des centaines de prototypes. Ça, un prototype? Le premier d'une longue série. S'il en reste. Aïe. Ouais, sale journée pour les Robinson. Prototype 2 et 3, pas vraiment mieux. Numéro 6, 58, 212, 485, 952 pour arriver au même résultat. Cependant, il ne renonce jamais. Oh, t'es pas crédible avec ça sur la tête. Il bosse, et au final, il réussit la première machine à remonter le temps. Ensuite, il rebosse, et au final, il re-réussit la seconde machine. Elle est petite. Super sens de l'humour. Enfin bref, passons. Ça, mon ami, c'est une simple maquette, parce que, hélas, la machine numéro 2 est entre les mains de l'homme au chapeau melon. Pas banal comme histoire, hein? Ouais. Alors, es-tu prêt à te remettre au travail? Je crois que ça y est. J'ai réussi. J'étais sûr que tu y arriverais. Voilà ce que j'appelle du beau travail. Oh. Ouais, mais tu sais ce qu'on dit. Il faut aller de... Ne le dis pas! Les garçons, à table! On n'a pas faim, maman! Si vous n'êtes pas à table dans 5 minutes, je descends vous chercher! On verra ça plus tard. Oh oh oh! Allons capturer ce gamin! Que je reste ici? Mais moi aussi, je veux voir! Mini Doris, je n'aurais jamais imaginé que tu savais faire ça. Oh, elle est trop chou. Faisons-lui faire ses premiers pas. Oh, désolé. Travail d'équipe. Désolé. Ah, vous voilà,
jeune homme. Il faut que je trouve une ruse pour l'attirer à l'extérieur. Eureka! Je vais péter la baraque. Oui, oui. Non, non, c'est une très mauvaise idée. Ça pourrait le tuer. Eureka! Je vais le transformer en canard. Oui, oui, je suis diabolique. Non, j'ai quelques lacunes sur la technique. Et dans le fond, je n'ai que faire d'un canard. Oh, c'est bien plus ardu que je ne l'avais imaginé. Appuie sur ma sonnette. Non, 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 sur la mienne, cette sonnette-là va te filer de l'urticaire. Oui, de partout, la balle au centre. Cancer accidentel, ça ne compte pas. Arrête, relis le manuel. L'autre, le manuel, n'importe quoi. I don't believe in fretting or grieving. Why mess around the strife? Yes, I've got to step out the strata. Give me the simple life. Mesdames et messieurs, votre dîner est servi. Dîner servi. Dîner servi. Dîner servi. Dîner servi. Oh, de la grande cuisine italienne. Oh, j'adore hamburger. Mais pourrais-tu me passer la sauce, s'il te plaît? Sans extrait. Ça me rappelle ma méga boulette qui a empêché la guerre civile sur la lune noire de Kewa. Et ouvre un burger. Il faut qu'on parle. Pourquoi il est encore là, lui? Ça te rappelle rien, t'as oublié? Le concours de science, le scanner de mémoire, la chaîne spatio-temporelle à rétablir. Ce n'est qu'un petit contretemps. Il n'a plus confiance en lui, il est un peu tendu. Je peux lui parler si tu veux. Non. Lui faire un petit massage. Shiatsu, feng shui. Je contrôle la situation. Wilbur et toi, vous êtes dans la même classe? Non. Oui. Oui. Non. Oui, enfin, oui et non. Lewis est un nouvel élève. Ouais. Et d'où tu viens, Lewis? Du Canada? Tu veux parler du Montana du Nord? Ça ne s'appelle plus le Canada depuis des années. Tu dois connaître Sam Gunderson. C'est un grand pays, vous savez. État. Vous pourriez être parent. Peut-être que si l'on met sa casquette. Oh, bonne idée. Comme ça, nous verrons s'il a l'épi de la famille Gunderson. Impossible. Parce que, avec la casquette, l'épi a été. Oh, grotesque. Un homme du Montana du Nord a l'épi solide. Montre-nous l'épi. On se calme, tout le monde. Lewis, s'il te plaît. Sinon, ça ne s'arrêtera jamais. Alors, ça commence. Ne sois pas prête. On est en famille ici. Je suis certaine que tu vas faire beaucoup mieux. Pas mal, petite sœur. Tu as une certaine adresse. Mais c'est à moi que tu t'adresses. Ces menaces ne peuvent rien contre moi. Alors assez parlé, que le combat commence. Tes ridicules boulettes ne m'atteindront pas. Il est temps de sortir mon arme secrète. La saucisse pimentée. Non. C'est comme ça tous les soirs? Non, hier au soir, on a eu du pâté en croûte. Je crois qu'il est grand temps de passer au deuxième service. C'est qui le mieux assorti aux boulettes? Quel beurre de cacahuètes! Ça ressemble à... Stupide! Carl? Tout va bien, Carl? Disons que... toujours ces bugs. Tu nous pourris ta vie. Au grand mot, les grands remèdes. Mon ami Lewis est inventeur, il sera le réparer. Wilbur, tu sais très bien que c'est pas vrai. Allez mon grand, un petit effort. Aucun de vous n'a compris la gravité de la situation. L'oncle Joe a déjà le tonstan de main. On a franchi le point de non-retour. S'il n'a pas sa confiture et son beurre de cacahuète, il nous prendra la tête. Je sais pas du tout. Tu nous rendrais un immense service. S'il te plaît. Une libellule on the rock, s'il vous plaît, monsieur le barman. Hé, hey, Francky, vas-y. Raconte-nous une de tes bonnes histoires. Ouais, Francky, celle de la grenouille taureau, par exemple. Ok, ok, les blaireaux. Je dois trouver un moyen de le faire sortir de cette maison. Oh, désolé. Attends. Et là, je me tourne vers la grenouille taureau et vous savez ce que je lui dis? Des grenouilles parlantes, accoudées à un comptoir de bar et tirées à quatre épingles. Parfait. Je lui dis, hé, hey, mon parapluie, pas question. Francky, tu déchires. Quelle bande de têteurs. Une fille mouche. C'est quoi? Ah oui! Tu es maintenant sous mon contrôle. Je suis maintenant sous votre contrôle. Ne rigole pas. Ne rigole pas. Ne répète pas tout ce que je dis. Je ne répéterai pas tout ce que vous dites. Excellent. Excellent. Est-ce que tu as dit excellent parce que j'ai dit excellent? Non. Excellent. Excellent. Alors, messieurs, j'aurai partout. Ça se présente bien? Plutôt pas mal, madame Robinson. J'ai recalibré la gaine d'alimentation et réajusté le mécanisme d'éjection. Le voilà. Ce répugnant petit demeuré. Allez, mon esclave, saisis-toi du garçon. Amène-le-moi. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit, imbécile? Saisis-toi du garçon et amène-le-moi. Oui, seulement, il y a 1 million de personnes là-bas. Et j'ai de tout petits bras. Je ne suis pas si sûr que ce plan ait été bien conçu. Maître? Maître? Voilà,
ça devrait fonctionner. Oh, c'est trop excitant. Fais péter, Lewis. Dépêche-toi, l'oncle Joe va nous faire une attaque. Vas-y, Carl. Allez, vas-y. Oh, c'est parti. Oh, non. Qu'est-ce que j'ai fait? Pardon, je vous demande pardon. Tu as échoué. C'était sublime. Et pas tant. Remarquable. De tes échecs, tu apprends. De tes succès, pas autant. Si j'avais renoncé après chaque échec, jamais je n'aurais inventé le canon à boulettes. Jamais je n'aurais inventé mon pantalon inifugé. Ah, encore quelques retouches à faire. Comme mon cher mari le répète sans arrêt. Très bien, grenouille parlante. Un très mauvais laquais. Il me faut un nouveau sbire, plutôt grand, pas trop malin et muet de préférence. Qu'est-ce qu'elle fait encore là, la grenouille? Débarrasse-moi de ça. Oh, ma tête. Mais qu'est-ce que tu fais? Enlève tes sales pattes de moi. Tu vas le regretter. Attends, attends. Ne bouge surtout pas. Eureka! Je me demande si je dois le dire à Doris. Non, je vais lui faire la surprise. Un toast à Lewis et à son brillant échec. Que cela puisse lui apporter des succès dans le futur. Merci, vous êtes tous si gentils. Si j'avais une famille, j'aimerais qu'elle soit comme la vôtre. Oh, je lève mon verre à Lewis. À Lewis. Qu'a voulu dire par si j'avais une famille? Oh, Lewis est orphelin. Orphelin? Génialissime. Revenir à la préhistoire et voler un dinosaure. Oh, Doris serait tellement fière de moi. Pourquoi tu m'as pas dit que vous aviez un dinosaure domestique? Parce qu'il est pas à nous. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il est là devant nos yeux. Mais non, il ne faut pas le manger. Il ne le fourmille pas. Attaquez Harvey. Lewis. À mon commandement. Les amis, laissons la pâte reposer. Notre chère Mini Doris repose à présent avec les poissons. Joli coup de pelle. Et toi, joli dans cette boulette. On forme une sacrée équipe, toi et moi. Ouais, on peut dire ça. Tout va bien, les garçons? Tout va bien. Ouais, comme on a réussi à étendre le dinosaure. Trop cool, t'as vu ça, maman? Oh, j'ai pas...
suis désolée, C'est pas grave, Lewis. Je suis heureuse que tu sois sain et sauf. Votre tête? Quoi? Oh, c'est juste un bleu, Lewis. Vous vous êtes tous tellement bagarrés. Pour moi. C'était la moindre des choses. Lewis, t'es un sacré petit gars. Unique au monde. Je te conseille de t'éloigner d'ici au plus vite avant que les vrais ennuis commencent. Distrait, sinon tu vas t'oxyder. J'ai le contrôle de la situation. Écoutez, tout le monde, je crois que la journée a été assez riche en émotions et en combats de dinosaures. Allez vous jeter sous la couette. Lewis et moi, on taille la route. Vous devez partir, là, maintenant? Vous vous rendez compte de l'heure qu'il est? Et pourquoi Lewis ne passerait pas la nuit à la maison? Maman, peut-être une autre fois, d'accord? Bien sûr. Enfin, si tu as envie de nous rendre visite, rends-nous visite. Maman! En fait, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Il faut y aller! Il le faut! Non, Wilbur. C'est pas une bonne idée. Lewis, il faut que tu restes. C'est vrai? Quelle famille pourrait mieux te convenir que la nôtre? Qu'en penses-tu, Lewis? Tu veux bien être un Robinson? Vous voulez m'adopter ? Oui, bon, d'accord, je viens du passé. Voilà, vous connaissez le grand secret. Wilbur, comment as-tu pu faire ça ? Quelle idée tu as eue de le ramener ici ? Ça, c'est une excellente question. S'il vous plaît, n'en voulez pas à Wilbur. Il a fait ça par amitié. Lewis, je suis vraiment désolée. Mais il faut que tu partes. Quoi? Vous avez dit que... Oui, je sais, oui. Je viens du passé. Quelle importance? Lewis, regarde-moi, tu es un petit garçon formidable et personne ici ne songerait à te faire de la peine, mais... Je suis navrée. Tu dois retourner dans ton époque. Oui, à ce sujet, une des machines est un peu cassée. Quant à l'autre, elle nous a été volée par l'homme au chapeau melon. Ce qui tendrait à expliquer le dinosaure. J'appelle ton père. Ah, attendez, si je dois vraiment partir, est-ce que je pourrais au moins aller voir ma mère? Wilbur me l'a promis. Tu lui as promis quoi? Je comptais pas le faire, je te le jure. Oh, tu m'as menti. Non. Si. Lewis, attends. Je peux pas croire que j'étais aussi bête pour imaginer une seconde que tu étais mon ami. Je suis ton ami. Jeune homme, tu es puni à perpétuité. Et oui, c'est affligeant. Tout ce qu'il demande, c'est de remonter le temps pour rencontrer la maman qu'il n'a jamais connue. Mais tout le monde lui refuse cette joie, alors que nous l'aiderions volontiers. Quel dommage que nous n'ayons pas de machine à remonter le temps. On en a une. L'homme au chapeau melon. Bonjour, Lewis. Qu'est-ce que vous voulez? Faire de ton rêve une réalité. D'abord, je te demanderai de me rafistoler cet appareil. Ensuite, je t'emmènerai voir ta maman. Lewis! Il faut qu'on parle! Lewis, allez! Je sais qu'il est là, quelque part. Lewis! Comment vous pouvez vous intéresser à ce tas de ferraille? Il se trouve que moi je sais et que toi tu devras le deviner. Montre-moi comment ça fonctionne. Ça marche pas, comme d'hab. Bon, admettons que ça marche et que quelqu'un présente cette invention devant la direction d'une grande firme de fabrication d'inventions. Où cette personne trouverait-elle l'interrupteur, hypothétiquement parlant? Ben d'abord il tourne ce bouton deux fois, ensuite il appuie sur le bouton rouge. Et voilà, c'est facile. C'est ridiculement simple. Et maintenant vous m'emmenez voir ma mère, tout de suite! Oui, bien sûr. Doris? Croisés ne comptent pas, eux. Pourquoi vous me faites ça? Je vous ai rien fait, moi. Je constate que tu n'as toujours pas deviné. Devinez quoi? Voyons ce que cela évoque pour toi. Père du futur, inventeur extraordinaire. Allez, de l'avant. C'est pas moi, c'est le père de Wilbur. Êtes-vous en train de dire que je suis le père de Wilbur? Oh, qu'on lui remette une médaille. Tu es venu au monde pour être le fondateur de cette misérable époque. Et moi pour ruiner ton destin. Fastoche, c'est de la poche. Si je suis vraiment son père. Continue. Donc je suis son père? Oui, merci, ça nous l'avions compris. Mais alors, quel est le rapport avec vous? Permets-moi de faire toute la lumière sur le sujet. Oh, mon ancienne chambre. Tu veux dire, notre ancienne chambre. Quoi? Ah, oui, c'est moi, Mike Yagoubian. Je sais, je suis répugnant. Mais on finit par s'y habituer. Comment tu en es arrivé là? Oh, c'est la longue et pitoyable histoire d'un petit garçon qui avait un rêve. Il rêvait de gagner un championnat de Ligue Junior.
Un rêve qui fut balayé à la dernière manche. Nous avons perdu d'un point à cause de moi. Chauffez-le ! Si je m'étais pas endormi, j'aurais attrapé cette balle et on aurait gagné ! Vous comprenez ce que je dis ? Pour je ne sais quelle raison, personne ne voulait m'adopter. L'enfant prodige Cornelius Robinson, diplômé de l'université de l'Institut. Cette année, le prix Nobel est attribué au jeune Cornelius Robinson. Hé, hey, Goop, il est cool ton classeur. Goop, tu viens goûter à la maison après l'école ? Ils me haïssaient tous. Et puis un jour, on a fermé l'orphelinat et tout le monde est parti. Excepté moi. C'est alors que j'ai réalisé que ce n'était pas ma faute, mais la tienne. Si tu ne m'avais pas empêché de fermer l'œil de la nuit avec ton projet stupide, je n'aurais pas loupé cette balle. Alors, j'ai forgé un plan génial pour assouvir ma vengeance. Robinson, tu pues ! Et puis, juste au moment où j'allais anéantir les industries Robinson, elle est arrivée. Nous nous retirâmes dans notre infâme repère où Doris me conta l'histoire de ta duperie et de son malheur. Tu l'aurais inventé pour être un chapeau domestique, esclave du genre humain. Cependant, Doris se savait capable de faire bien mieux que ça. Mais toi, tu n'as pas su voir son véritable potentiel. Tu l'as donc jeté au rebut. C'est ce que tu as cru. L'un comme l'autre, nous avions un compte à régler avec toi. Et bien que mon plan à moi fut génial, celui de Doris était... Oui, nous optâmes pour celui de Doris. Toutefois, j'ai très très largement contribué à son élaboration. Ensemble, nous formions l'équipe parfaite. Je suis venu chez toi. Je me suis introduit dans le garage et j'ai volé la machine à remonter le temps. Tout cela grâce au petit garçon à la houppette qui avait oublié de fermer la porte du garage. À présent, il ne me reste plus qu'à trottiner chez Inventco où je ferai passer ta trouvaille pour mon invention à moi. Mais t'as pas idée des conséquences que ça aurait sur le futur. Je m'en moque. La seule chose qui m'intéresse, c'est détruire ta vie. Oh, Goob, si j'avais su tout ça, je... Tais-toi ! Il ne m'appelle pas Goob ! Combien d'êtres diaboliques dignes de son nom oseraient s'appeler Goob ? Je suis désolé que les choses aient mal tourné pour toi. Mais ne m'accuse pas, le seul responsable, c'est toi. Tu es resté bloqué sur ton malheur, alors qu'il aurait fallu que tu... oublies le passé et... tu as été de l'avant. Voyons un peu, j'assume entièrement mes responsabilités ou je t'accuse. Ni, 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 ni. Je t'accuse, l'emporte à l'unanimité. Aujourd'hui sera le plus beau jour de ma vie. Doris, aurais-tu l'extrême obligeance d'ouvrir le cockpit? Ça m'ennuie de déjouer votre plan diabolique, mais... bye bye. Paris, t'es content de me revoir? Aïe. Ça, c'est pour avoir oublié de fermer le garage. T'es au courant pour ça? Je suis au courant de tout, maintenant. Alors, admets que ça te fera une super histoire à me raconter. On est presque arrivés et on rentre en mission 5. Profitez bien du présent, les enfants, parce que votre avenir est sur le point de changer. Tu dois réparer la machine à remonter le temps. Non, je sais pas le faire, je sais pas le faire. Pourquoi tu l'appelles pas? C'est toi, mon père. Mais ça, c'est dans le futur. Il y aura pas de futur tant que t'auras pas réparé la machine. Écoute, c'est ma faute. J'ai laissé le garage ouvert et j'ai fait le maximum pour me rattraper. Mais maintenant, tout dépend de toi. Tu peux y arriver, papa. Lewis? Je ne comprends pas, je voulais seulement détruire son avenir, je ne voulais pas ça!
passe exactement comme ça. Sur le point de changer. Tu sais pas ce que tu fais. Si, je le sais. Je détruis ton avenir. Doris se sert de toi. Et quand elle aura eu ce qu'elle voulait, elle se débarrassera de toi. Que dis-tu? Que dis-tu? Je n'aurai jamais la mauvaise idée de t'inventer. Allez, viens, Goob. Je veux te montrer quelque chose. Et je pense que vous devriez l'adopter. Ça va pas, t'es malade. Donne-moi une seule bonne raison de pas le faire. Je t'en donne trois des seules bonnes raisons. Il nous a volé la machine. Il a voulu ruiner ton avenir et il a pas pris une seule douche depuis 30 ans. Aïe! Dois-je te rappeler que je suis ton père et que tu fais ce que je te dis? D'accord, monsieur Yagoubian, souhaiteriez-vous être un Robin? Où il est? Goob? Goob! Goob. Non, tout va bien. Tu as de la température? Des vertiges? Du scorbut? Des vertiges? De la sénilite? Non, non, je vais bien. Je vais très bien. En fait, je m'étais pas sentie aussi bien depuis longtemps. Franny, elles ont disparu. C'est effroyable. Oh, misère. Il rentre tôt aujourd'hui. Franny, où es-tu? Les deux machines ont disparu. Oh. Oh. Balancé par sa propre mère. C'est rude. Et voilà. Wow. Oui, c'est mieux que 8 heures par jour dans un bureau. J'en doute pas une seconde. Oh, tu veux voir celle qui fait ma plus grande fierté? Ah ouais? Trop cool. Non, 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 non. Celle-là. Notre toute première véritable invention. C'est elle qui a été à la base de tout cela. Stupéfiant!
Donc si je retourne maintenant à mon époque, voilà ce que deviendra mon avenir. Oui, enfin, ça va dépendre de toi. Rien n'est gravé dans la pierre, à toi de faire les bons choix. Et n'oublie jamais d'aller de l'avant. Étant donné que ça va fonctionner cette fois, peut-être que je... que nous finirons par voir à quoi ressemble maman. Est-ce que nous allons la rencontrer ? Je crois qu'il va d'abord te falloir retourner à ce concours scientifique et le découvrir toi-même. Je le savais que tu dirais ça. C'est parce que nous sommes un garçon très futé. À bientôt. Bon voyage. Bon voyage, mon petit Lewis. Merci, Carl. Pendant que je te tiens, j'aurais une ou deux suggestions à te faire pour ce qui est de mon futur look. Parce que c'est pas l'épaisseur de mes biceps qui fera siffler la cocotte minute. Oui, bon, c'est qu'un détail. Ce qui compte, c'est que tu n'oublies pas de m'inventer. Tu rigoles, jamais j'oublierai que je t'aime beaucoup. Il y a tellement de choses que j'aurais voulu vous demander. Excusez-moi, voyage dans le temps maintenant, question plus tard. Mais ne t'inquiète pas, retourne vite à ce concours de science. Nous nous reverrons très bientôt. Mais oui, oui, d'accord, et j'y vais, au revoir. Au revoir, fils. Merci encore pour tout. Attends, Lewis, une dernière chose, oui. Un tout petit tuyau pour l'avenir. J'ai toujours, toujours raison. Même quand j'ai tort, j'ai raison. Elle a raison. Je ne la contrarierais pas si j'étais toi. Et je suis toi. Vous avez absolument raison. Ça va, c'est bon, j'arrive. C'est pas comme si t'allais jamais les revoir. C'est ta famille, après tout. Je sais, oui. Alors là, je crois que tu as tapé les mauvais numéros. On avait dit que si t'arrivais à réparer la machine, je te ramènerais voir ta mère. Quoi ? Un marché est un marché. J'ai pas suivi, là. Pourquoi tu l'as laissé s'en aller ? Parce que j'ai déjà une famille. J'aurais jamais cru que mon père devienne mon meilleur ami. M'oblige pas à revenir te tirer d'affaire. Je te promets que non. Parce que j'ai une machine à remonter le temps. Si tu fais une nouvelle bêtise, je reviendrai pour te sonner les cloches. T'as pas oublié la devise ? Là-dedans. N'oublie jamais. Non, ça c'est impossible. Bon, allez, file. À bientôt, Weber. Attends une minute. Boum.
chauffeur n'est pas encore arrivé. Alors envoie la sauce. J'ai besoin d'un volontaire. Bien, donnez-moi une date à saisir. Voyons voir, voyons voir. Il y a eu mon premier concours scientifique, le jour où j'ai eu mon premier microscope, ma traversée de la Manche à la nage, ma première médaille d'or en luge. Oh, je suis... Parfait. Ça fonctionne! Ça fonctionne. Tu es magnifique, Lucille. Bud? Oh, regardez-moi ça! Chérie, chérie, tu pouvais pas mieux tomber! Lucille! Tu as réussi, Lewis! Tu as réussi, ton invention est géniale! Tu es le meilleur joueur de l'année! C'est un numéro grandiose que tu viens de nous faire là. Il n'y en a pas deux comme toi. Mais... Tu n'as rien à Lewis. Je te vois plutôt un... Cornelius. Oui, on me le dit souvent. Oh, oh non, pardon monsieur. Il n'y a pas de mal. Francky, combien de fois je t'ai dit de ne pas te sauver? Francky? C'est mon élève le plus brillant. Moi je m'appelle Franny et j'enseigne aux grenouilles la musique. Non, sans blague. Tu savais que les grenouilles étaient plus douées pour la musique que les humains. Mais personne ne va me croire. Ils disent tous que je suis barrée. Tu crois que je suis barrée? Dis-le. Non, je crois que tu as raison. C'est par là. Ah, le voilà. Petit, nous voudrions publier un article sur toi dans la presse locale. Tu as un brillant avenir devant toi. Laisse aller. Ouais. Et tu oublieras tes soucis, car tu sais que le plus dur est fini. Laisse entrer le soleil au fond de ton cœur. Et demain, tu ne te souviendras que des bons moments. C'est fini, car le bonheur t'attend déjà. Et puis tant pis, si tu dois te tourner vers moi, mon ami. C'est le cœur qui compte le plus. À la fin, la vie est faite de ces petites sœurs, ces petits bonheurs, ces détours du destin. Le temps s'enfuit, mais ces petites sœurs sont pour la vie. Si tous mes regrets un jour vont s'effacer, je n'oublierai jamais tout ce que j'ai aimé. The future has arrived today.
waiting to cross the Rubicon, wondering what side I'm on. What are these visions of me as a young man with one arm pointed and the other arm holding your hand, needing a play to keep you near, blowing a horn so you can hear. If it was only my love and devotion, this world would suddenly be in a state of commotion. Emotional commotion, emotional commotion. Emotional commotion, emotional commotion. I never get around under the sun and the stars, and I may be always frowning. But one day you will see under the sun and the stars, you will turn around and I'll be in motion. Emotional commotion, emotional commotion. Emotion, emotional commotion. Emotional commotion, emotional.